C'est Full Patate et aujourd'hui on se retrouve pour les news du malgraphien. Donc je résume vite fait, aujourd'hui on va voir des CP qui rappent, Hitler qui reçoit un appel de Nabila et une ligne de bus qui je pense doit venir de mal au cœur. Allez c'est parti, je vous balance ça tout de suite. Go! On commence tout de suite avec les CP qui rappent. Je vous dis, c'est du lourd. Bonjour, on se présente, nous sommes les classes de CP. Avec Antoine et Olga, ils nous apprennent à rapper. Aussi lire et écrire et puis compter, on est d'accord. Si tu ne sais pas faire ça, et ben dans la vie, toi t'es mort. Alors fais le taf, on y met tout notre cœur. A chaque enfant sa place, y'a personne qui compte pour du beurre. Bon, c'est pas évident, mais avec de l'entraînement et des encouragements, c'est gagnant, gagnant, 100%. T'es parti mon kiki. Moi je m'appelle MJ, notre rapport réussi, c'est promis, c'est garanti. Bonjour, mon nom c'est Ange, et je vous présente Agathe. Ça peut paraître étrange, mais on s'éclate en maths. Ça nous donne la patate, on adore les exercices. Ça t'étonne, ça t'épate, avec nous il y a Matisse. On compte de 10 en 10, à partir de 36. Si tu fais des caprices, t'iras voir la directrice. Et au moins c'est rose, faut vraiment qu'on se repose. Allez, moi je vous propose une pause. Je m'appelle Mathéo, je suis le plus rigolo. Tu m'envoies au tableau et je fais du diabolo. Mon prénom c'est Thomas, mon petit gars méfie-toi. Quand je perds mon sang-froid, dis bonjour les dégâts. Nous c'est Tigno et Enzo, on est les plus costauds. Vise un peu les biscottos, on t'envoie direct à l'hosto. Au Benjamin c'est Robin, je t'ai trop fait le malin. Je t'ai prouvé au coin, c'est ton destin. Jules, Théba, Nausicaa, Lucas, Pauline, Sacha, Amandine. Enchanté, c'est Chloé, le maître est agacé. Il m'a privé de récré, non c'est pas ma journée. Attends, moi c'est Clément, j'ai super mal aux dents. Tu comprends, c'est pas marrant, je vais dire à ma maman. Je m'appelle Stéphane, j'ai un peu mal au crâne. Attends, moi c'est Romain, je te prépare un Doliprane. Top de mon éto, il est Nicoa. Je viens de Bulgarie, c'est normal, vous comprenez pas. Et là c'est moi Diego, j'ai un turbo au cerveau. On est fiers d'être un télo, vous pouvez nous prendre en photo. Bonjour, moi c'est Juliette, je suis un peu coquette. Je me suis fait des couettes et ça fait chouette sous ma casquette. Voilà les deux copines, c'est Mathilde et Clara. On n'a pas mauvaise mine, on a le cœur en joie. Me voici c'est Marie, mon amoureux m'a dit que j'étais très jolie, alors je suis au paradis. Merci les petits CP, vous nous avez comblés. Merci tous les petits mecs, vous avez assuré sec. Et merci les princesses pour votre délicatesse. Y'a plus qu'à apprécier, notre rap est terminé. Maintenant, on passe directement à Hitler qui, visiblement, a Nabila au téléphone pour un problème de shampoing. Enfin, c'est ce que je crois. Je vous laisse la vidéo. Und auf was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss. Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Allô? Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Non, mais allô, quoi? Hören Sie den Beschuss nicht? Allô? Allô? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Super, vous me recevez? Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Allô? Hallo? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen!
heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer von Stuttgart. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Oklaff, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Ja, vous me recevez? Hören Sie den Beschuss nicht? Apparemment, c'était Aurélie Capucine qui avait pas de shampoing. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Ja, vielleicht schon tot! C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort... Donc après, Aurélie et Samir rentrent dans la maison. Hören Sie den Beschuss nicht? Aurélie, elle arrive. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? C'est la guerre mondiale de 78. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Pour la dernière vidéo du jour, on se retrouve pour une ligne de bus qui, je pense, hein, je dis ça mais je dis rien, doit donner mal au cœur. Je vous mets la vidéo tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es une vraie patatose, lâche le like et partage ça à tes potes. Merci et à une prochaine pour un prochain News du Minecraftien. Go!